le truc a duré longtemps. J'ai pas fait réparer, j'ai juste fait clic droit et j'ai vu qu'il y en avait 3, donc j'étais ok. Ah, ok. C'est bon pour les livraisons de coups de rein. On va faire mon appel. Voilà, donc déjà 4 livraisons en moins. Pas mal. Tu avais envoyé du coup les 4 mails ce matin? Ouais. T'as fait qu'un A. C'est pour ça 8, 4 hier, 4 ce matin. J'aurais dû faire un hier. Pardon. Devenu complètement accro, il y a eu une mise à jour avec un mode arcade, ce qui fait que les parties sont moins longues et tu joues sur juste une toute petite partie de la map. Parce que le problème, c'est que sur mobile, tu peux pas faire des longues parties. Et du coup, ça passe de combien de temps à combien de temps? Bah, ça passe de. Parce que ça peut durer 20-30 minutes une partie normale, et là, arcade, ça dure 5 minutes quoi. Ah ouais? Donc tu vois. Le problème, c'est que quand j'étais dans le train et que j'étais dans une partie, et que c'était la fin, il fallait sortir du train, ça me faisait chier parce que je me suis dit merde. Du coup, t'es resté dans le train jusqu'à la prochaine station. Ouais, ouais, t'es tenté à rester dans le train et puis à louper ton arrêt, quoi. Et puis l'enjeu, tu vois, il est plus faible parce que comme il y a
ça dure moins longtemps, du coup tu te dis moins merde, putain j'ai fait tout ça pour rien. C'est toujours avec 100 joueurs. Mais C'est moins là, arcade. même à la version mobile, c'est avec 100 joueurs en mode classique, mais ils ont fait un mode arcade avec 27 joueurs. Ah oui, voilà, ça va plus vite. Voilà, donc forcément ça va plus vite, t'es moins. Enfin, c'est plus adapté pour un jeu mobile, quoi. Une demi-heure avec un téléphone, c'est pas spécialement plus agréable. Une question parce que Nathaniel, Sciences Informatiques, bonjour. C'est ça, vous avez le nom? Regardez. Votre nom, c'est... Christophe? Vous m'avez dit, elle s'appelle comment la liste de diffusion? Vous l'écrivez comment? GAZ, d'accord. D'accord. C'est votre poste informatique, c'est bien le WDA203Z. D'accord, vous êtes bien, je veux dire, le 33948. Ok, bah j'envoie tout de suite la demande auprès des équipes techniques. Je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.
Ouais, donc je te dis, il y a pour des demandes comment dire, de validation pour des accès à des serveurs, je n'envoie qu'il y a compte ou à serveur. Pour l'instant, je change pas. Pour l'instant, ça va. À terme, normalement, ça va être comparé à serveur. Mais j'envoie quand même à compte. Nathaniel, la science informatique, bonjour. Oui. Quand c'est sur quel. Vous êtes. Dans un premier temps, votre nom, s'il vous plaît. D'accord. J'en ai deux. Vous êtes le prénom? Alain. D'accord. Et c'est sur quel serveur? C'est sur Moloch. C'est lié à votre poste. Et votre poste informatique? WDMPE 709Z, c'est bien ça? D'accord. Donc vous m'avez dit, le poste se fiche pendant 2-3 minutes environ. Vous êtes bien joignable au 34 366. D'accord, moi j'envoie tout de suite l'incident à des équipes. Non, normalement, moi, je conseille. Je vous en prie, c'est une bonne journée. En fait, c'est comme ça, c'est l'encadrant, effectivement, responsable ONERA, mais aussi les secrétaires et le RID. Ouais. Bah, justement, c'est parce que si jamais l'encadrant il est pas là, au moins que du coup, il y a quelqu'un qui soit informé en disant, bah voilà, le compte est créé. Je regarde tout de suite. C'est toi qui as essayé de l'appeler avant? C'est toi qui as essayé de l'appeler avant? Parce que Nathaniel m'a appelé pour la livraison, il y a quelqu'un qui m'a appelé mais c'est pas pour moi et je sais pas pourquoi c'était et je comprenais rien. D'accord. D'accord, votre nom dans votre. J'ai la demande de création de compte avec Pierre, c'est ça? Il y a eu un mail qui a été envoyé. Ça a été envoyé si, si. Je dis juste à qui c'est envoyé. Monsieur Laurent. L'activation. Rano, Do, Grassi, Laurence Grassi, Garabédian. Une prise réseau. Non, non, ça, en fait, c'est juste pour dire le compte est créé, il faut contacter 64. Le compte de monsieur Lune est créé, merci. Ah oui, vas-y, je peux te le passer aussi, hein, le win, tu me fileras. Alors après, je vais vous demander la pièce, juste le nom de la prise réseau dans un premier temps. B-3-B-G. Tout est en minuscule, je dis que les majuscules. D'accord. B, Q majuscule. B-3-G. Et le login, c'est première de son prénom, je suis de son nom, donc là c'est J-U-D. Utilisation. Z-Z-Z. J-J-N-U-N-E-Z. Passe, donc je te dis que les majuscules. La localisation je de les majuscules la B. Je te dis que les majuscules B. Je te dis que les majuscules, c'est tout. B. Non, Q majuscule 4. B. D'accord. 7. Y. Donc, vous m'avez dit. J majuscule 7. Benoît. Oui, Quentin. D1. 4. Benoît.
7, Johan, Julien, 03, 7, avec le Q et le J en majuscule. Non, très non, bien. Bah, la première demande, pas le premier B. C'est un brassage classique, hein, c'est pas DMZ. C'est un brassage. D'accord, un brassage classique. Ok, bah, très bien, j'envoie tout de suite la demande auprès des équipes techniques. Hein. Je vous en prie. Au revoir. C'est ça, exactement. Je t'en prie d'aller à plus.
vais faire encore une fois, je vais faire une erreur. C'est-à-dire, je vais mettre en demandeur Christophe, c'est Christophe qui va appeler, je vais voir dans le certificat, je vais mettre en transcription. Tu vois ? Non, mais surtout, on va commencer sur le dos, c'est pareil, on va regarder encore en détail. Mais par contre, il faut savoir que l'info est dedans, après aller voir. Et puis... Mais je vais. Allez, après, demander si comment je suis comment faire ça, si je fais des tests avec des filles. Ah oui, non, mais ça joue. Bon, deuxième, c'est pas bon. Ça y est, je suis reconnecté. Hein. J'ai tapé le pierre de deuxième. Hein. Non, ah ouais. C'est pourquoi ? Non, je sais pas. Pierre de Coubertin, il était tout le temps deuxième, c'est ça ? Non, il a dit une phrase qui est restée culte, qui est la phrase de Pernon. L'essentiel, c'est de participer. Ah oui, d'accord. C'était pour taquiner, hein, que je dis ça. Ouais. Bah ouais, mais c'est ça, l'essentiel c'est de participer. Hein. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, les amis. Pour aujourd'hui, tu vas pas jouer ce soir ?